Bonsoir, bonjour, ça dépend. Il y a Ngonga Oyo Bouzali Kolanda Bisso sur DRC News Télévision, la chaîne qui vous apporte les détails de l'actualité en République démocratique du Congo. Très heureux et de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner l'essentiel de l'actualité politique qui reste dominée par la sortie du calendrier électoral du bureau définitif de l'Assemblée nationale qui sera installé enfin de venir à son tour installer le gouvernement. Ou soit investir le gouvernement qui sortira après l'élection du bureau définitif. Alors, on a minute yo mboso azwa ki mo pression yemutu abandaki ko reporter calendrier électoral azali ko reporter en date ultérieure ali ko reporter tango bakotise lié la motion de défiance et pas y a 100 députés nationaux mboso cède à la pression pe abimisi calendrier électoral. Nous allons parler également, il y a changement, il y a constitution d'Abisso, il y a République démocratique du Congo, ça fait polémique. Les Congolais, d'autres sont pour le changement de la constitution, d'autres sont contre le changement de la constitution. Bah, y opposant, bah, lobby, Tshisekedi dit, veut avoir un troisième mandat, ou soit le virus du troisième mandat, et où tu causes Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais vous, peuple congolais, que pensez-vous du changement? Il y a constitution Nabiso, Toko Mekampe, Kolobelayango, pendant plus ou moins 5 minutes avant que Toko Tana détaille, il y a contre-offensive, Oyo, Mboka Nabiso, armée Nabiso, appuyée par le Wazalendo, Bazali, qu'on menait à l'est de la République démocratique du Congo. Mukolo ya lobby aux alentours de la cité stratégique de Sake, dans des collines surplombant cette cité. Le M23 avait lancé les attaques sur les positions de forces armées de la République démocratique du Congo, les attaques qui ont été repoussées jusqu'à ce que les forces armées de la République démocratique du Congo puissent avoir des lunettes nocturnes marque Oyouti aux États-Unis d'Amérique. C'est pour vous confirmer aujourd'hui que les États-Unis d'Amérique sont derrière cela qui protègent et qui soutiennent le Rwanda. Parce que les preuves qui ont été récoltées hier, avant-hier, les alliés, Kotali Samaete, les lunettes nocturnes aux Yaba commando américains ont été utilisées par l'armée rwandaise et les terroristes du M23 lors de l'attaque de position des forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, armée et repoussée Bango, récupérée ba lunettes nocturnes, récupérée ba Masasi, récupérée ba Minduki, l'M23 est rentré d'où il est venu. On a vu dans la même cité de Rubaya, les colonels Bahati, Aye, Asali, Naye, ba meeting Naye, ils ont commencé à recruter les gens. Ils ont commencé à forcer les jeunes pour le recruter. Bango Balobi, c'est une adhésion massive dans tous les comptes. Il y a les réseaux sociaux à Banyarwanda, Baliko, CPLA. Comme quoi, bah, jeunes Congolais, Bazali, coadhérer dans l'idée, Oyo, ils allaient à faire partir Félix Tshisekedi par la voie de la révolution. Mais la société civile que nous avons contactée sur place nous parle également. Il y a que Ezali, recrutement forcé, Bazali qu'on forcé, Genouana avec des menaces que Soki, moi, Namoko, Aboy, Kokota, Naoto, Zali Kobenga, Alliance, Fleuve Congo, Paranaé, Ndekolaé, Kozala Bongo, exécuté. Voilà pourquoi, mes chers compatriotes, nous avons recueilli plusieurs informations et nous sommes venus pour vous apporter les détails de l'actualité. Et après ce que l'armée a fait, après ce que les Ouazalendo ont fait, nous apprenons que la SADC vient de passer à l'offensive. Le missile, ou soit les armes que regorge la SADC, les armes que possède la SADC en République démocratique du Congo viennent d'être mises à la disposition de l'attaque. Il y a pas position, il y a pas Nyarwanda. Et qu'est-ce qui va poursuivre? Parce que vous le savez que le chef d'état-major général, Monsieur Christian Tshiwewe, séjourne dans la partie est de la République démocratique du Congo. Fall Sikabwe, chargé de la coordination des opérations terrestres, aériennes, lacustres, fluviales, il est à l'est de la République démocratique du Congo. Chiko Tshitambwe, l'adjoint de Monsieur Christian Tshiwewe, et à l'est de la République démocratique du Congo. Jean-Pierre Bemba Gombo,
et maintenant en route vers l'est de la République pour ainsi préparer là où Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo doit fouler ses pieds pour ainsi diriger les opérations qui ont pour l'objectif plutôt d'attaquer le Rwanda et d'en finir avec le rebelle du M23. Voilà pourquoi tous amis que c'est Nganabino, Bino Balandia, DRC News, Bisikatu Bozwami, continuez, y'a qu'on like émission, ceux qui ont like qui n'ont émission, au like émission, au partager les liens et surtout au tiquer libiso commentaire na yo na chat en direct ou soit na rediffusion na aux amis que kanisa na changement y'a constitution. Êtes-vous pour ou contre le changement de la constitution? D'ailleurs, j'aimerais que Ngaï Mokona Nuna Banda na oyezali kota le changement de la constitution parce que c'est une question qui défie la chronique du jour au jour d'aujourd'hui. Depuis que les Congolais, na niveau de la France, ont exprimé leurs soucis, ils ont dit au président de la République de changer la constitution. Selon eux, la diaspora congolaise vivant en France, la constitution bloque le chef de l'État. Selon la diaspora vivant en France. Et ils ont demandé au président de la République de changer la constitution. On a vu le chef de l'État répondre et donner sa position par rapport à la demande de la Congomanie. Ce que les gens oublient, exacte constitution na biso ezali œuvre ya ba congolais. Si une catégorie de congolais pense qu'il faut réviser la constitution, si une catégorie de congolais pense qu'il faut mettre à jour notre constitution, le chef de l'État en tant que le premier citoyen de tous les congolais, il leur a répondu de ne pas faire de lui un dictateur parce que les changements de la constitution ils dépendent na yété, mais ça dépend du peuple et des élus du peuple. Ce sont eux qui peuvent changer la constitution. En arrivant au niveau de la Belgique, le chef de l'État a donné un son de cloche selon lequel il devrait mettre en place une commission qui va réfléchir sur la nécessité. Il faut que vous puissiez bien me suivre, qui va réfléchir sur la nécessité de changer ou sorte de mettre à jour notre constitution. Est-ce que Tshisekedi l'a dit pour briguer un troisième mandat? Moi, je pense autrement. Parce que je suis parmi ceux-là qui ont réclamé le changement de cette constitution il y a longtemps. Il y a plusieurs questions qui nécessitent le changement de notre constitution. La première des questions, mes chers compatriotes, c'est sur le système politique. Nous utilisons le système semi-présidentiel dont le président n'a pas la totalité du pouvoir. Lorsque les gens comparent aujourd'hui le Sénégal et la République démocratique du Congo, ils disent que le Sénégal, les élections se sont tenues après la République démocratique du Congo. Mais pourquoi au Sénégal, il y a déjà un gouvernement qui travaille déjà pour résoudre le désidérata et le problème des Sénégalais? Et ici, chez nous, il n'y a que des tractations. Depuis que les élections se sont tenues, le président de la République a été investi. Mais jusqu'alors, il n'y a pas l'installation du gouvernement. Le problème, c'est le système dans lequel nous évoluons. Aujourd'hui, chaque député, chaque autorité morale, parce qu'il tire sa légitimité au niveau de la Constitution, veut tirer le profit de son côté, veut tirer la grande partie du droit de son côté. Voilà pourquoi il y a des négociations à longueur. Or, au Sénégal, c'est le président lui-même qui prend la décision de tout. Alors que ici, chez nous, le gouvernement doit être d'abord ici de la majorité présidentielle, de la majorité parlementaire. Et il faut d'abord qu'on nomme un informateur qui va aller identifier la majorité. Si on peut identifier la majorité, il y aura ce que nous appelons un formateur
quelqu'un qui va former le gouvernement. Et après ça, il y aura maintenant publication des électeurs. Il y a gouvernement en attendant que ce gouvernement soit investi au niveau il y a palais du peuple, l'Assemblée nationale. Voilà ma conteste, wana le lenge tozali ko kendele nango. Tant que tu as perdre, le mois que nous sommes en train de perdre, ils allaient dire à la constitution de la République démocratique du Congo. Le deuxième point que j'aimerais épingler, mes chers compatriotes, lorsque vous lisez l'article 217 de notre constitution, au nom de l'unité de l'Union africaine, la République démocratique du Congo peut céder une partie de son territoire à une tribu ou soit une ethnie qui se sent menacée pour l'unité de l'Union africaine. C'est ce qui se passe avec le M23. Les gens qui sont venus de chez eux, le Tutsi rwandais, bah, hier, en République démocratique du Congo, bah, commis, ce qu'on réclamait, ma belle, y'a bah, imboka, ma belle, la République démocratique du Congo, mais t'es allé, ma belle, na bango. Or, mes chers compatriotes, lorsque vous suivez de près, c'est que les dispositions, il y a constitution d'Abisso et Zali Kosala, vous allez voir que tout Congolais aujourd'hui doit réfléchir sur la nécessité, il y a changement, il y a constitution. À mon humble avis, il est temps que nous puissions changer la constitution. Parce que les élections même ne pointent pas à l'horizon. Nous sommes encore en 2024, les élections c'est en 2028. Nous devons réfléchir la République, nous devons parler État, nous devons parler intégrité de notre territoire. La plupart des circonstances dans lesquelles la République démocratique du Congo se retrouve aujourd'hui, c'est parce que nous avons une constitution qui a été copiée-collée. Une constitution post-conflit. On a fait cette constitution qui compte. Il y a réalité à la Congolais. La question de la double nationalité. Plusieurs questions sur la nationalité congolaise. Vous avez vu le débat qui a eu entre Moïse Katumbi, Aza Congolais, toi Azali Congolais. Tout ça, c'est parce que la constitution est muette. Il y a plusieurs débats sur les immunités d'un ancien président, d'un ancien premier ministre et d'un ancien président de la République. Comment est-ce qu'ils peuvent être poursuivis pour des fautes graves, pour des infractions commises lors de l'exercice plutôt de leurs fonctions? Comment on peut le faire? Il y a plusieurs flous. Voilà pourquoi la Constitution mérite une retouche. Et cela dépend de la population. Parce que la loi de base, la loi mère, c'est la constitution. Et cette loi émane de la population. C'est la population qui avait élu la constitution au niveau du référendum. Et le lorsque Balingi va changer la constitution, la même population doit se prononcer. Voilà pourquoi nous avons dit, et nous le répéterons toujours, avec cette constitution, nous ne serons jamais à l'aise. Voilà pourquoi on demande à ce que M. Mbosso Oyo aye le lo kobimisa calendrier électoral, toali koke bisaye, toye bisaki na mboso boy. Aussi au raté na primaire, ça ne sert à rien de bloquer. Ça ne sert à rien de bloquer, mes chers compatriotes. Vous êtes partis au primaire au niveau de l'Union sacrée. On vous a bâti d'une manière démocratique. Vous avez accepté le verdict qui était tombé le même jour. Mais pourquoi vous continuez à bloquer aujourd'hui l'installation du bureau définitif? Lorsque vous avez appris que le député Maliko Lukaba de Chouario n'a aucun imbango bimisi calendrier, ce qui est le 12 mai, il faut m'apponanier salim. Mais pendant que qu'est-ce qui manquait pour que Obinissa calendrier électoral? Voilà les politiciens aujourd'hui. On a tout connu, Sabino, qu'avec cette constitution, des gens comme les Mbossola seront toujours là et feront ce qui leur est possible. Obango a dit comment les Zalines avantage Nabango. Lorsque vous regardez les cabinets de Mbosso, ce sont ses enfants. Bah, toi, famille, naïe. Ils ne veulent pas quitter.
pour que le pays, parce que, mes chers compatriotes, j'ai suivi les députés nationaux, ils ont parlé de l'urgence qui est dans ces pays. Le pays est agressé, le pays est dans la guerre, l'économie est par terre, le social du peuple congolais est par terre. Aujourd'hui, les députés ne voient que leur ventre. Laissez-moi d'abord parler sur cette histoire, parce que ça frustre les Congolais. Et vous aussi, les Congolais qui votez ce genre de députés. Regardez que le social du peuple est par terre. Le lettre au lieu de la Likamba forage, le lettre au lieu de la Likamba lampadaire, banani baïbi les excellences. Mais l'Assemblée nationale a pour travail de contrôler le gouvernement, de légiférer les lois. Pourquoi, na minute, le problème de lampadaire na forage des alliés? Avez-vous vu un député? Que ça, la motion de défiance, soit une question orale adressée au ministre des Finances, Aya Koye Bisabango, pourquoi Mbongo ya lampadaire et Keyouat, Mbongo ya forage et Keyouat? Aucun député, tous sont silencieux, ils sont en train de bénéficier de l'argent, le frais d'installation, c'est ce qui leur importe. Aujourd'hui, la guerre est à l'Est, les bombes sont en train de tomber en Goma chaque jour. Avez-vous vu un député écrire une question orale ou soit une question écrite adressée au VPM de la Défense? Aujourd'hui, à Kinshasa, les Koulou n'a fait rage. Toloki que maman n'a moi n'a pas bomi bango, n'a opération Panthère. Avez-vous vu un député appeler, interpeller le ministre de l'Intérieur, Ayako Pesabiano, Naliwa ya maman na moi le baboni part dans l'opération Panthère. L'opération Panthère, il y a des dérapages, on arrête le jeune. Jeune Soki a sali l'osque à Komi Kuluna. Qui vous a dit que la coiffure de Moutoune Komi Sakaye Kuluna? Tolobato, tolobate. Et vous, les députés, qui devez contrôler ce gouvernement? Vous êtes là tout sur l'ancien. Le nom a eu qui avec plaisir que Bernabé Mouakadi a fait le maximum y a recette. Oyo, na deuxième trimestre, oyo, août, aussi là, Mouakadi avec la DGI, na ba institution financière Moussousou, oyo a récolte, y'a mbongo ba désirade, na ba bilo, ba sali maman na mobilisation. Ils ont mobilisé sur ce qui a été prévu 104% y a réalisation. Grâce à détermination à Bernabé Mouakadi avec la DGI. Le nom oyo, misolouane zali kokende, na ba dette intérieure, na ba dette ou, ba zali kobimisa mbongo wana, neti, baba richesse soit moi héritage koko na bango atike la donc Congo et community et le komoko ya famille. Ce n'est pas parce que nous sommes de l'UDPS qu'on ne doit pas dénoncer les choses qui ne marchent pas. Le pays sorti à l'icotam de la malamouté, laissez-moi le temps de recadrer d'abord le nôtre. Je parle du ministère des Finances, je parle du ministère de l'Intérieur, je parle de la gestion des choses publiques. La seule personne qui a aidé le chef de l'État, voilà Bernabé Mouakadi. Aujourd'hui, on réalise la maximisation de recettes à 104% par rapport à 100% qui a été prévu. Il est parti au-delà de ce qui a été prévu. Donc, c'est pour vous dire que s'il y a les gens comme le Bernabé Mouakadi, comme le Gilles Alinguette, qui sont placés à la tête des ministères, qui sont placés à la tête des entreprises publiques, vous allez voir que le Congo va changer dans un clin d'œil. Le Congo a toutes les potentiels, mais il faut maintenant, mes chers compatriotes, placer les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Je l'ai toujours dit, permettez-moi le lona tomboka, n'engena aliko tomboka bouye, parce que les aliko salanga passe. Je l'ai toujours dit, les dignitaires de l'UDPS, je sais que nenga nazolo baboye bokokata ba vidéo botindeli Auguste Kabuya, tu as vu les communicateurs Jeff commence à te critiquer. Non, ça ce ne sont pas des critiques. Disons-nous la vérité. Le dignitaire de l'UDPS aujourd'hui, mon général Auguste Kabuya, Peter Kazadi et les autres. Joseph Kabila nous a dit que akuta ki ata 15 personnes te azalaki na bato bakokaki kosunga ye o balekaki 15 personnes te batu ya malam. Kabila mwalo bake bato na tout le lo bazo entouré Tshisekedi tango bazalaki na ye batikala ko aide ye te muto malam azalaki te, mais ce sont les mêmes personnes qui entourent Tshisekedi. Et ce qui Kabila alelaki
Kabila muto biso to critique alele ke mutu malamu azalite kaka na pembeni ya Tshisekedi ndeba twana bakokoma malamu. Regardez que le même geste, le même acte qu'ils ont commis sous Kabila de détournement sur détournement, ce sont les mêmes actes qu'ils sont en train de commettre sous le régime de Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Et vous êtes là, vous regardez l'UDPS, l'honneur de l'UDPS être caché, le 37 ans de lutte que l'UDPS a lutté. Papa Etienne Tshisekedi Wamulumba est en train de tourner dans sa tombe. Il est en train de regretter. Il est en train de voir et il est en train de pleurer. Ce que nous avons combattu, c'est ce qui est en train de se perpétuer dans le régime Nabisso. Le premier mandat, on pouvait comprendre, c'était la coalition. Mais le deuxième mandat, regardez comment les choses sont en train de partir. L'UDPS est majoritaire. L'UDPS a la plupart des responsabilités au niveau de l'Assemblée nationale. Pourquoi le bureau jusqu'à aujourd'hui n'est pas installé? Pourquoi le gouvernement jusqu'à aujourd'hui n'est pas installé? Pourquoi nous ne faisons pas des réformes institutionnelles? Le peuple attend des réformes institutionnelles. Le peuple attend de nous beaucoup de choses. Ce qui est à l'écoute, quand les gens qui ont entouré Kabila, Bayek ont entouré Lissouzou qui s'était dit, je vous assure que Mboka et Koukoufa et rien ne va marcher. Et après 2028, les gens commenceront à parler de l'UDPS, tout comme nous sommes en train de parler du PPRD Lelo, Kebassali et Lokoté. Ils ont géré pendant 21 ans. Le régime de 21 ans. Bato le peuple Bakoya, Baobandolo, Bato le régime de 8 ans, de 10 ans plus tôt, Bassali et l'autre côté. Vous devez ouvrir les yeux. Ces gens qui entourent Tshisekedi sont là pour leurs propres intérêts. La preuve est là. Pourquoi le gouvernement ne sort pas? La preuve est là. Pourquoi le bureau de l'Assemblée nationale est allé Kobimaté? Et que fait Augustin Kabouya? Vous êtes aujourd'hui parmi les décideurs. Mais pourquoi vous décidez sur d'autres points? Et par rapport à la gestion publique, l'image de notre régime, vous ne prenez pas de fortes décisions. On a toujours dit, et pas yaba français, au grand mot, on donne le grand remède. Et le grand remède d'aujourd'hui, c'est Yakolongo, là-bas, vieux Wanalou de la mer, tous ces vieux qui ont travaillé avec Mobutu, tous ces vieux de Timboso Wana, qu'est-ce qu'il a encore dans Moutou Naï à Malam, Yaopé Saba Congolais? Vous allez me comprendre. Qu'on se dise la vérité. Je sais que vous attendez ma kambaye, c'est mes petits kangaïna le banane. Parce que Zali Kopé Sakanda. Dites-moi un peu, Moutoune Timboso Wana. Qu'est-ce qu'il a encore dans sa tête là qu'il peut faire pour la République démocratique du Congo? N'y a-t-il pas des jeunes au sein de l'UDPS? N'y a-t-il pas des jeunes au sein même du parti de Mboso qui peuvent occuper les postes là que Mboso cherche toujours? Mboso a travaillé avec Mobutu. Mboso était avec Laurent Désiré. Mboso était avec Joseph Kabila. Qu'est-ce qu'il a qu'il n'a pas donné? Oh, il faut qu'il y ait à la wana pas pesa na na Congo. Bah, tu as travaillé. Kamere a travaillé. Mini a si kabango la koya nango pour échanger Mboka. Il faut changer la classe politique. Si vous ne comprenez pas les choses, nanolenge tali ko lobela yango awa, moi je m'en fous, hein. Et si ça continue comme ça, nous serons dans l'obligation de dire la vérité au peuple. Quand rien ne voit, regardez la ville de Kinshasa aujourd'hui. Zela ya malamu ya mutwa tambola boye. Obimi pe na ndaku, olati mwa basket na yo apembe, o tambola na balabala. Ezate, mula esali ya wasoki deux semaines ali kobeta te. Mais soko obimi na basket ya pembe ali kobeba na potopoto. Pourquoi? Baka nivo tout bouché, dans zela tu ezali ya obeba. Est-ce que c'est ce que le peuple attendait du régime de Tshisekedi? Le régime l'attendait de ça. Doit-on réellement continuer dans cette année? Doit-on réellement continuer avec ces vieux loups de la mer? Qu'est-ce que Kamere n'a pas fait? Le nom de l'Assemblée nationale, Bopesi Kamere, il a été président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Oh, il fallait qu'il y ait un zonga ou un ouzal. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Mais la mer même qui entoure aujourd'hui, tu sais qu'elle dit. Malgré jour wana élection kosale matin lola ekoko ya na kinze lola ekoko ya na kongote, le ciel ne tombera pas sur la RDC. C'est le même Mende, non, qui était avec Kamil, il y a Kabila aujourd'hui, mais du côté de Tshisekedi.
Mais plus moi, Bible et les autres, ils ont travaillé avec Joseph Kabila. Qu'est-ce qu'ils ont donné? Ou bien qu'est-ce qu'ils n'ont pas donné sur Joseph Kabila qu'ils viendront donner aujourd'hui? Mais quand j'ai dit qu'il y a un temps, il y a un temps, Congoman Bali Kolola Miyibi Miyibi. Et vous, les dignitaires de l'UDPS, est-ce que ça vous fait vraiment plaisir? Yaoyoka Mokonzi Amboka Nabisu, UDPS. Parti au sali 37 ans à opposition. Et Ali Kobunde la état des droits. Le peuple est d'abord. Le lot se qu'il au pouvoir. Ali Kotambola naba policier naye. Naba toba Ali Kozingaye. Population Ali Kobele la bango Miyibi. Dernièrement, la diaspora est Bengi Kamere Muyibi. Tu sais que Diabimi n'a venu Nguma Awa, ma Bengi Ngobila Muyibi. Na campagne Awa, tu sais que Diabimi présenté ma gouverneur, ma Liko Benga Bango Muyibi et pas la population. Et vous êtes fiers de ça, mes chers compatriotes? Mes chers aînés de l'UDPS, vous êtes fiers que tu sais que tu sois entouré de gens que le peuple sait que Bato Bazaba Muyibi. Ce qui va français, va l'oubaka, qui s'assemble, se ressemble. Donc, bibato va kokana kabango, me va sangana kabisika moko. Donc, benga va liko benga batona miyibi. Un jour, on appellera Tshisekedi voleur. Et nous, on ne veut pas qu'on puisse, que cela puisse arriver. On ne veut pas que cela puisse arriver. Il faut que nous puissions nous réveiller pour voir les choses dans tous les angles. On a fait 37 ans de lutte dans l'opposition. Est-ce que les 37 ans de lutte sont les 10 ans au pouvoir? Et ceux qui 37 ans de lutte sont 10 ans au pouvoir, qu'avons-nous fait pour le peuple congolais? Aujourd'hui, la guerre est là. Aujourd'hui, la guerre est là à l'Est. Malgré les efforts du président, il y a toujours le traître. Ces traîtres-là, bah, où tu vas? Mais ce sont les gens que Kabila a laissés, que vous êtes en train de maintenir. Ils deviennent de plus en plus forts. Je suis obligé de m'arrêter par là. Et vous allez me comprendre, mes chers compatriotes, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Les mêmes personnes vont trahir. Les traîtres en armée, les généraux là, laissés par Kabila. Qu'est-ce qui manque à Tshisekedi à Olongola Batouana? Le Conseil national de sécurité, le ministre de la Défense, qu'est-ce qui vous manque à Olongola Babrebiwana Galeuse? Ces généraux qui trahissent là. Le soldat, le commandant, Bali Kolena, les généraux. Les généraux, comme ils sont ma villa, ma pangwa minini. Immeuble. Est-ce que ça l'est la générale qui peut permettre à ton Babilo Kouana? Et vous, en plus, ton ministère intérieur et son béni bango ba jeep, ba officier, ba zomi tout ka ba pèse. Pour quel travail? L'insécurité partout. Et le peuple est en train de nous regarder. Un jour, Malobananga yalelo et Kozalanganga. Tokutani Nabino, lobby, pour parler de la situation sécuritaire de l'Est. Ciao.